Salut et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Tinyverse. Tinyverse est l'un des jeux qui promet le plus actuellement sur Telegram et c'est l'un de mes jeux favoris en ce moment. C'est un jeu qui a été inventé par un ami proche de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Donc celui qui a fondé c'est Roman, c'est la personne qui est derrière l'application majeure. Donc c'est juste pour vous dire que c'est une opportunité qui est fiable. Par contre, pour être éligible, il y a des conditions à remplir. Et dans cette vidéo, on va être vraiment très honnête. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser un peu d'argent, il ne faut pas vous attendre à recevoir grand-chose de cette application. Parce que là, ce sont ceux qui vont dépenser de temps en temps qui vont vraiment s'en sortir. Alors, quand je parle de dépenses, je ne dis pas de venir dépenser des sommes folles. C'est de faire des petites dépenses de temps à autre pour bien vous classer. Donc avant même de vous présenter le projet, de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, si vous voulez faire partie de ceux-là qui vont vraiment avoir quelque chose de conséquent avec cette application, il faut faire un effort. Vous voyez, à ce niveau, vous devez tout faire pour être dans le top 100 000 ici. Vous devez faire un effort pour être dans le top 100 000. Je ne dis pas que si vous êtes au-delà, vous n'allez pas être récompensé, mais pour avoir toutes les garanties, vous devez faire un effort pour être dans le top 100 000. Et ensuite, regardez à ce niveau, au niveau des badges, vous pouvez voir qu'il y a une vingtaine de badges actuellement. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore activés, mais je vous suggère de faire le possible pour avoir des badges. La majorité des badges individuels, ce que j'appelle badges individuels, sont des badges qui dépendent uniquement de vos propres capacités. Donc au fur et à mesure, on va toujours en parler. Je vais continuer à faire des mises à jour concernant ce projet. Mais il faut déjà faire un effort pour remplir tous ces critères-là et être vraiment très régulier. Parce que sur les jeux Telegram maintenant, on ne recompense plus ceux qui viennent pour jouer gratuitement. Et la deuxième chose maintenant, on ne récompense plus ceux qui viennent sur les applications une fois en passant. Ils font tout pour pouvoir récompenser uniquement ceux qui sont prêts à soutenir les projets financièrement et ensuite ceux qui sont vraiment très actifs. Très actifs dans la mesure où ces personnes viennent pour jouer effectivement le jeu, interagissent dans leur communauté et, si possible, invitent leurs amis. Et quand vous voulez inviter des gens, n'allez pas tromper vos amis pour les dire de venir que c'est totalement gratuit parce que ça ne va pas vous servir. Parce que si on voit que le nombre de personnes qui viennent à travers votre lien est énorme, mais derrière ceux qui jouent vraiment au jeu sont peu, on va commencer à voir si vous n'avez pas invité uniquement que des robots. Et ça, ça peut vous pénaliser. Donc maintenant que vous savez comment est-ce qu'il faut s'y prendre, maintenant que vous savez qu'il faut être actif et qu'il faut dépenser un peu, si vous voulez toujours continuer, voilà ce qu'il faut faire pour vous en sortir avec Tinyverse. Je vous disais que le jeu a été lancé par le fondateur ou bien le CEO de Major et vous pouvez constater ici sur son canal personnel, il en a parlé. Donc lorsqu'ils ont commencé à désactiver l'agriculture sur Major, ils ont immédiatement introduit Tinyverse comme vous pouvez le voir ici. Pavel Durov lui-même en a parlé dans la mise à jour, bien en présentant les mises à jour qui ont eu lieu sur Telegram récemment et dans ce post, comme vous pouvez le voir, il a évoqué le nom de Tinyverse. Il a même présenté quelques images de Tinyverse. Vous pouvez voir c'est le nom de Tinyverse et vous pouvez voir l'image à ce niveau, d'accord. Voilà les deux raisons qui m'ont poussé à vraiment démarrer ce jeu. Et en plus, le jeu en lui-même, il est très bon et c'est un jeu à peu près de stratégie et qui vous permet donc d'évoluer assez rapidement. Alors, quel est le principe de base du jeu Que ici on simule la création d'une galaxie. Comme vous pouvez le voir ici, là, c'est une galaxie. Ça, c'est ma galaxie que ils sont en train de créer. Donc, quand vous avez la galaxie, votre objectif c'est de faire grandir celle-ci. Et pour la faire grandir, vous avez besoin des étoiles. Les étoiles, comme nous avons l'habitude d'en voir. Alors ici, il ne faut pas confondre. Il y a les stars Telegram que nous utilisons actuellement pour faire des achats sur Telegram. Mais ici, quand à chaque fois que je vais parler de stars des univers, ce sont les stars ou bien les étoiles qu'on crée à l'intérieur de ce jeu. D'accord, donc quand vous créez des étoiles, qu'est-ce qui se passe Ces étoiles-là vont commencer à vous produire de la poussière d'étoiles à ce niveau. Donc, on peut dire que c'est le minage, ça, pour que ça soit beaucoup plus simple à comprendre. Donc, disons que vous créez les étoiles et ces étoiles vont commencer à miner des poussières d'étoiles pour vous. Et vous pouvez le voir à ce niveau. Et à chaque fois, vous pouvez simplement venir collecter ces poussières d'étoiles-là, les utiliser pour créer maintenant de nouvelles étoiles et donc de continuer à faire grandir votre galaxie. C'est comme ça. Donc plus vous avez des étoiles, plus votre vitesse de minage est grande et plus la vitesse de minage est grande, ça vous produit plus de poussière d'étoiles pour créer encore plus d'étoiles et donc de continuer ce cycle jusqu'à créer une très grande galaxie. Et plus votre galaxie est élevée, plus vous aurez des chances de recevoir une allocation énorme. Donc voilà le principe de base du jeu. Donc, quand vous voulez démarrer, par exemple, et déjà, petite parenthèse, si c'est que vous voulez commencer le jeu dès maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, ce lien-là peut vous conduire directement sur le jeu. Par contre, si vous n'êtes pas sur notre canal Telegram et vous voulez nous rejoindre, vous pouvez simplement cliquer sur le second lien. Si vous cliquez donc sur le second lien, vous allez atterrir sur cet article. Donc, c'est un article dans lequel je montre... Étape par étape, comment est-ce qu'il faut jouer à Tiniverse Et là, vous allez avoir le lien à ce niveau. D'accord C'est le lien ici. Et vous pouvez passer par le tout premier lien, tout comme vous passez par le second lien qui est dans la description. De toute façon, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, vous pouvez passer par le lien pour ouvrir donc, le jeu. Alors, une fois que vous avez ouvert le jeu, vous allez normalement atterrir directement sur « Moi, ma galaxie ». Donc, je vais retourner. C'est une galaxie de quelqu'un d'autre. Donc vous allez atterrir sur une galaxie. Donc la galaxie sur laquelle vous atterrissez, ça sera la galaxie du lien que vous avez suivi. Donc vous allez atterrir sur ma galaxie. Et qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour aller sur votre propre galaxie C'est d'aller ici. C'est d'aller là et c'est là-bas que vous allez commencer à créer vous-même votre propre galaxie. Vous pouvez voir que là on est sur revenu sur ma galaxie. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre avec les différents éléments qu'il y a ici Si vous appuyez ici, vous pouvez voir. Donc ça, c'est ça qui vous permet d'explorer les autres galaxies. Si vous appuyez là-bas, vous allez découvrir au hasard des galaxies. Et là, par exemple, c'est votre profil, si on peut le dire ainsi. Donc je vais appuyer dessus pour que vous puissiez comprendre. Ici, c'est votre profil. C'est là que vous pouvez voir ici votre rang. Vous pouvez voir votre rang ici, les badges que vous avez déjà débloqués, la date à laquelle vous vous êtes inscrit, votre nom d'utilisateur. Et là, le nombre de galaxies que vous avez déjà pu créer, le nombre d'étoiles qui se trouvent dans votre galaxie. Ici, c'est votre vitesse de minage par heure. Et là, c'est le stock de poussière d'étoiles que vous avez, donc les Star dust. Et ici, ce sont des boosts. Les boosts vous permettent de faire des choses que nous allons voir tout à l'heure. Et là, on dit Create Gifts. Il y a une fonction qui permet de donner des étoiles à des amis. Et ça, ça sera vraiment très important pour débloquer un des batchs que nous allons voir tout à l'heure. Mais en attendant, on va aller sur la partie boost. Alors, quand vous venez sur cette partie boost, vous avez donc deux boosts, comme je le disais. Vous avez donc deux types de boosts. Il y a des boosts qui vous permettent d'accélérer votre vitesse de minage. Ce sont les boosts que vous voyez tout en haut ici. Il y a les boosts qui vous permettent de collecter vos poussières d'étoiles en automatique. Donc, voilà, vous pouvez essayer de voir les boosts. Il y en a pour 3 heures, il y en a pour 12 heures. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont ajouter d'autres boosts. Alors, comment est-ce que ça marche? Pour pouvoir activer ces boosts-là, vous avez le choix. Vous pouvez soit inviter des amis, des amis de vrais utilisateurs, soit mettre des stars Telegram pour pouvoir activer ces boosts-là. Et pour pouvoir ajouter ces stars Telegram, c'est à ce niveau. Vous allez simplement appuyer sur « Top up Et là, vous allez simplement ajouter. Vous pouvez décider quel type de boost vous voulez ajouter. Et ici, ce sont des boosts de 12 heures seulement que vous pouvez ajouter. D'accord donc, les boosts de 3 heures, ça, c'est via les invitations. Donc, vous allez simplement venir ici et vous appuyer pour pouvoir choisir le nombre de boosts que vous voulez ajouter. Donc, ça, c'était pour cette partie-là. Maintenant, vous pouvez voir l'autre partie ici. Ça, c'est le nom de votre galaxie. Si vous appuyez à ce niveau, vous pouvez voir toujours à peu près les mêmes informations. Donc, au niveau de rating, pour le moment, personnellement, je ne sais pas concrètement c'est quoi. Donc, le propriétaire, vous pouvez voir votre nom. Et vous pouvez également appuyer là-bas pour arriver directement sur votre profil. Il y a toujours la date de création, le nombre de stars que vous avez. Et vous voyez ici, il y a une information importante. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai 7101 stars sur 100 000. Ça veut dire que si je parviens à créer 100 000 stars sur univers, je vais créer une nouvelle galaxie. Quand vous créez donc une nouvelle galaxie, c'est encore plus de gains. Ici, c'est la position de votre galaxie. Bon, pour le moment, il ne sait pas à quoi ça va servir. Mais c'est toujours bon à savoir et là vous avez donc la possibilité de copier votre lien de parrainage ici pour inviter justement vos amis et encore une fois je le précise soyez honnête envers les gens quand vous les invitez pour ne pas avoir un grand nombre d'invités qui ne font absolument rien d'accord ici maintenant il y a la partie upgrade donc c'est la partie qui nous intéresse aussi donc la partie upgrade vous allez pouvoir donc améliorer votre galaxie dessus donc la partie upgrade est ici Là, vous pouvez donc créer de nouvelles étoiles. Ici, vous pouvez renommer votre galaxie, ici, et changer le modèle de, de votre galaxie, l'arrière-plan. Pour le moment, ces quatre-là, ces trois plutôt, je ne sais pas trop à quoi ça va servir à l'avenir. J'avais déjà testé, j'ai changé le nom de la galaxie une fois, mais ça n'avait pas augmenté ma vitesse de minage. Donc, pour le moment, en attendant qu'on en sache davantage, concentrez-vous sur la création des étoiles. Et vous pouvez accéder à cette partie directement sur l'écran ici. Donc, vous pouvez simplement appuyer simplement sur Add Star. Donc, on appuie comme ça et on peut donc créer de nouvelles étoiles. Alors, quand vous allez démarrer, immédiatement, quand vous appuyez sur Create Star ici, on va vous demander quoi? On va vous demander des étoiles Telegram. On peut vous demander 100, 101, 102 étoiles Telegram pour créer vos 100 premières étoiles de Tinyverse, vos Tinyverse Star. Donc, et par la suite, vous pouvez continuer à créer sans forcément dépenser des étoiles et vous allez comprendre tout à l'heure. Donc je vais appuyer sur créer star. Vous allez voir, ça va créer des étoiles. C'est fini, ça vient de créer des étoiles. Mais moi on m'a pas demandé de payer des étoiles de Telegram. Pourquoi Parce que ils ont utilisé ce que j'avais déjà les stars, les poussières d'étoiles. C'était suffisant pour pouvoir créer sans étoiles. Donc c'est pour vous dire qu'au début vous allez avoir besoin de dépenser. C'est pourquoi je vous précisais que on doit dépenser, mais ce n'est pas énorme. Au début, j'ai dépensé 100 étoiles et c'est avec ces 100 étoiles-là que j'ai continué à faire tourner en utilisant les boosts et tout pour me permettre de créer des poussières d'étoiles que je peux utiliser à n'importe quel moment pour créer de nouvelles étoiles. Alors, quand ce n'est pas suffisant, quand le nombre de stades, de bien de poussières d'étoiles n'est pas suffisant, n'est pas suffisant pour pouvoir créer des étoiles. Où vous pouvez simplement compléter avec des stars Telegram. Là, vous pouvez voir que je n'ai plus assez de stars pour pouvoir créer des étoiles. Si j'appuie maintenant sur Create Star, vous allez voir comment me demander de compléter avec 6 étoiles Telegram. Et là, je peux simplement compléter. bien, si j'ai déjà les étoiles Telegram disponibles, j'appuie. Et donc, les étoiles vont pouvoir se créer. Voilà le fonctionnement global du jeu. Alors, je vous avais parlé d'une. Et je vous avais parlé d'un badge qui est vraiment très important, qui peut potentiellement permettre de gagner encore plus de tokens lors de la location. C'est le badge philanthropiste. Alors, le badge philanthropiste, c'est celui-ci. Donc, ça, ça consiste à donner des étoiles à vos amis. Alors, ici, il est clair que nous ne pouvons pas commencer à distribuer des étoiles comme ça. Jusqu'à 10 000 étoiles, ça coûte cher. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des échanges de cadeaux avec les amis. Donc, euh, par exemple, si quelqu'un a prévu d'acheter 100 étoiles sur l'univers, vous pouvez simplement lui proposer de faire des échanges. Lui, il vous donne 100 étoiles et vous vous lui donnez en retour. Bien sûr, il faut le faire avec des gens de confiance, d'accord Des gens que avec qui vous avez l'habitude de travailler. Et pour pouvoir créer des cadeaux comme ça, il y a deux possibilités. Vous pouvez simplement venir au niveau de votre galaxie comme ça ou bien aller directement au niveau de votre profil et là ce que vous allez faire vous pouvez simplement appuyer sur create gift appuyer sur create gift et voilà ouais, vous pouvez appuyer comme vous allez appuyer maintenant sur create gift maintenant vous allez avoir la possibilité de copier le lien le lien de ce cadeau là que vous allez envoyer à celui qui est intéressé par exemple j'avais créé j'avais créé ici voilà comment ça se présente. Donc, c'est un lien dans lequel vous allez trouver GIFT quand vous finissez de créer. Donc, quand vous donnez le lien là à quelqu'un et la personne appuie dessus, les 100 étoiles ou bien le nombre d'étoiles que vous avez voulu lui offrir vont lui être attribuées immédiatement. Il y a une autre méthode qui consiste, par exemple, à passer par le lien d'invitation de quelqu'un. Là, si vous voulez donner des gifts à quelqu'un, la personne vous donne son lien de parrainage, vous appuyez dessus et vous atterrissez directement sur sa galaxie. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Hein. Vous lui envoyez votre lien. Il atterrit sur votre galaxie et il va faire le processus qui va suivre. Alors, si la personne vient comme ça sur votre galaxie, il suffit simplement d'appuyer sur le nom de la galaxie et d'appuyer sur Gift. La personne appuie sur Gift ici. Là-bas, c'est beaucoup plus direct même. Donc, euh, la personne appuie sur Gift. Derrière, elle appuie sur Gift. Là. Et si c'est que c'est valide, effectivement, vous allez recevoir directement le cadeau. Donc voilà comment est-ce qu'il faut comprendre ce jeu. Je pense que j'ai essayé de couvrir la plus grande partie du jeu. Vous pouvez voir là, c'est ma galaxie. Elle est un peu plus grande que quand j'avais déjà commencé. Et vous pouvez voir ça, c'est la galaxie de quelqu'un qui vient à peine de démarrer. Donc, si on appuie, on peut tomber sur des galaxies qui sont déjà très bien formées, des galaxies qui sont énormes. Par exemple, vous pouvez voir cette galaxie ici. C'est une très grande galaxie. Et les images sont vraiment très jolies. Vous pouvez simplement zoomer. Vous allez faire, vous allez pincer votre écran, vous zoomez, vous pouvez voir, vous pouvez même tourner. C'est quelque chose qui est très joli à voir. Donc, si vous commencez, c'est ça l'objectif final créer une galaxie qui est aussi jolie. Il y a différentes formes, mais toutes ces galaxies-là sont vraiment magnifiques. Pour ceux qui ont un peu plus d'argent, qui veulent aller vite, si vous voyez une galaxie comme ça et vous voyez à la place de Gift en bas ici, ils ont écrit Capture, vous pouvez simplement acheter la galaxie. Ça coûte cher. Si vous appuyez sur cette partie, vous allez voir qu'on peut vous demander des milliers d'étoiles. Vous pouvez voir ici, c'est 44 000 étoiles Telegram. Donc, si vous avez de l'argent et que vous voulez aller vite, vous pouvez simplement acheter des galaxies. Et ça peut également rapporter pas mal d'argent. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Pour ceux qui veulent démarrer dès maintenant, il y a le lien qui est dans la description de la vidéo. Et ceux qui veulent passer par notre lien directement sur Telegram, vous pouvez également appuyer sur le lien Telegram et nous rejoindre par la même occasion si ce n'était pas encore fait. Donc si par exemple vous avez besoin d'étoiles Telegram, vous pouvez également aller sur Fragment pour en acheter ou nous contacter directement. On se dit donc à une prochaine fois pour une autre vidéo.